Oh, tu fais des kilomètres, toi. Tu fais des kilomètres, oh, avec les tables. Ah, mais c'est la famille qui vont, salam, ça va? C'est toi qui vont là? Non. Ah non, merde. C'est là? Ouais. Ah, tu viens, moi. T'as des, tu vas en prendre la console, des jeux, des trucs comme ça? Non, j'ai pas ça. J'ai regardé. Le Targoun, là-bas, il en a. Hey, regarde, il a été racolé, la voiture où j'ai été. C'est pas un fils, ça. On l'a, c'est. Vous croisez, hein? Ah oui, moi aussi. Ouais, moi j'avais raté, mais plus les campagnes, je fais des meilleures affaires. Ouais. Là, il y en a, tu vois, aujourd'hui, je voulais. Je vends, non, je vends. Mais à Vona, dans là, je me gave, il y a 400 exposants. Mais il y a là, t'as Domarin, t'as là. T'as l'usiné aussi. Il y a l'usiné, mais il y a tous les Chinois de la planète là-bas. C'est pour ça que je suis venu là. Ah, mais j'ai déjà demandé, pardon. Il est où le tapis? Là. Vous auriez dû garder la tête tout à l'heure. Mais oui, c'est un bon prix pour la tête. Il est là, le plateau. Bah, la location pour ma place dans ma voiture. Hein. Tu veux me piquer mes Super Nintendo, mes Game Boy et tout que j'ai trouvé là? Non. Bon, il y a une Wii qui vient de tomber avec un jeu Mario, 5 euros, pas cher. Une console Wii. Pas cher. Moi j'ai fait du rétro, je m'en fous, du PS3, donc c'est pas mal. Deux cents exposants annoncés, s'il y en a, j'ai déjà demandé. Il doit y avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 exposants. À vue de nez, il y a 40 exposants grand max. Ah, c'est. Yo les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Eh ben, ce matin, j'ai chiné, mais j'ai vendu aussi. Il ne me reste plus rien sur mon stand, j'ai bien gagné. Là, je vous montre, hein, je fais un vide-grenier dans le 38. J'ai bien vendu. Et je vais vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé ce matin. En direct, on va faire une vidéo retour vide-grenier, mais en direct du vide-grenier. J'ai eu une chatte pas possible. Donc voilà. On va les gens chiner et j'ai rentré du jeu ce matin. Du jeu vidéo. Alors on va commencer par des jeux simples. J'ai rentré un Mario Party sur Switch pour la modique somme de 8 euros. Donc voilà, mais en version italienne, donc c'est pas bien grave. 8 euros le jeu. Après, j'ai rentré un lot PS3. J'ai oublié ma cam, c'est ma fille qui vient de me l'amener en voiture avec son frère. Donc voilà, je suis dégoûté. Ah non, si j'ai filmé un petit peu avec mon téléphone, excusez-moi. Mais bon, un Iron Man sur PS3, complet. Les meilleures pièces seront pour la fin. PS3 complet. Un Batman sur PS3. Complet. Un Ghost Recon, très beau petit lot PS3, hein. Ça c'est pour l'échange, hein, parce que je suis pas PlayStation 3, ce sera pour Lightning ou JB Retro 74. Voilà, un Lost Planet complet, très bon état. Ça je l'ai pris parce que c'était l'eau. Un Socom aussi sur PS3, très beau lot. J'ai payé le lot 10 balles. Franchement, un excellent prix. Je dis à madame, vous faites combien le lot? Elle m'a regardé, 10 euros, ça vous va? Je dis, bah bien sûr, ça me va à ce prix-là, je prends. Voilà, 10 euros le lot. Après,
je regardais comme ça, parce que comme vous savez, j'achète pas que des jeux vidéo, hein. J'achète un peu de tout. Hein. Et là, j'ouvre une boîte, et sur quoi je tombe? Une PSP en boîte slim. Bleu. Bleu comme ça. Mais un truc de malade. Vibrante, bleue, complète. Avec chargeur et double chargeur et tout. Voilà. Carte mémoire et tout. Quand je vais vous dire le prix, vous allez halluciner. Putain, je suis dégoûté, j'ai plus de batterie sur le téléphone. Regarde la preuve, elle est en train de charger là. J'ai ma fille m'a amené aussi ma batterie solaire. Attendez, je vais essayer de remettre correctement le lot. J'ai tout vendu ce matin, je me suis bien. J'ai pas vendu de jeux vidéo, j'ai juste. Si j'ai vendu 3 jeux vidéo basiques, hein, les Switch. Parce que c'était des doubles. Voilà, hop, j'ai fait avec la PSP, la complète, avec un jeu pinball, deux jeux pinball. Ouais, ils sont tous complets de toute façon. Deux jeux pinball. Putain, quand il m'a dit le prix, j'hallucine. Un premier, pas très courant, je crois, ce jeu. Il est pas complet. Il est pas courant. Il est complet, je pense. Ils sont tous complets de toute façon. Voilà, imprimé sur PSP. Alors viens, on commence. Hein. Pinball, imprimé sur PSP. Ça, bien sûr, ça va partir à l'échange. La console, je la garde. Ça, je vais le garder. Un Gradius. Un joli Gradius. Un jeu Space Invader complet. La pépite, c'est pour moi c'est une pépite, c'est Ghost and Goblin, je l'adore, c'est comme sur NES. Ghost and Goblin. Et un petit. Et le plus jeu le plus pourri, un Red Racer. Et le lot, je l'ai acheté, dites-vous bien, 10 euros. Elle m'a dit 10 euros, j'ai pris. C'était la dame des jeux PS3, simplement. Je dis, vous faites tout à 10 euros. Et un revendeur a refait ma journée aujourd'hui. Mais lui, il a. Ah, et mon beau qui arrive. Je vous reprends une prochaine vidéo. Allez, je reprends la vidéo parce que j'avais ma soeur qui est passée me dire un petit coucou. Après le lot PSP et tout. Un vendeur, comme je vous ai dit, a refait ma journée avec un lot. Regardez bien, Mega Drive N64 avec un jeu James Bond. Il m'a dit qu'elle fonctionne à voir. Un lot, un Top Gear, je crois qu'il y a deux Mario, j'ai vu. Voilà, un Mario 64, un Diddy Kong Racer, un Super Mario, et le jeu Mega Drive, je crois que le meilleur jeu c'est Roi Lion et Sonic. Un Sonic. Ils sont tous complets avec notice, un jeu Roi Lion, NBA Jam. Après, je dis. Il y a quoi d'autre? Games. Là, attendez. Je vais faire tomber le sac, je crois. Hop. Voilà. Un jeu Dread. Un jeu de tennis sans passe. Et... Il reste quoi? Un méga jeu. Je lui dis, ça vous fait combien de fédères? Attendez, j'ai encore des consoles anciennes, dont une avec la boîte. Attends, je vous passe, je vous montre. Une Game Boy Fat. Je l'ai allumé, tout fonctionne. Putain, je suis comme un mec. C'est rare maintenant de retrouver des trucs comme ça. Il y a quoi? Il y a pas de jeu. Voilà, une Game Boy Fat. Celle-là, j'ai mis des piles parce que j'ai trouvé des piles, je les ai achetées pour tester. Il y avait bon, une Nintendo DS, on s'en fout. Il y avait un jeu Tintin. Il y a 2-3 bons titres Tetris. Ah, celui-là. Ah. Adventure Island, c'est un très bon jeu ça. Un DuckTales comme jeu, ça je garde. Il y avait un Power Rangers. La loupe d'origine, un Game Boy. Un Wario Blaster. Ah ça je suis content parce que celui-là je l'ai pas. La coque de protection. Mais c'est pas fini. Un Dr Mario. Va rentrer dans la collection, une gradée, je vais une gradée parce que celui-là il est neuf.
une autre Game Boy Fat qui était à son jumeau. Mais le l'apothéose, c'est la Color en boîte. Une Game Boy Color en boîte complet. Elle est dedans. Complète, fonctionnelle. Il y a juste un X à la rayure. Regardez ça, c'est pas beau ça. Juste rayé, je vais faire changer l'écran, je suis dégoûté. Elle doit fonctionner. Elle fonctionne. Si je vous dis le prix que j'ai payé ce lot, le lot Game Boy, c'est un autre vendeur. Hein, pour 30 euros, j'ai eu le lot. Monsieur m'a dit 40, j'ai eu. Non, pardon, il m'a dit 35, j'ai négocié 30. J'étais refait. Voilà. Ce lot rétro gaming pour la modique somme de 30 euros. Il y en a qui me disent oh, je sais pas si je l'aurais pris parce que j'ai montré à 2-3 chineurs de jeux qui sont arrivés après. J'étais le seul à chiner ce matin. Si, il y a un pote qui chine pas du jeu, il a trouvé une Mega Drive avec manette, câble d'origine pour 10 euros. Il y a un jeu Wii qui est parti à 10 euros, c'est un Skyforce World, je crois, avec la mélodie. Et un jeu à PS3 qui coûte une vingtaine d'euros, il l'a trouvé 10 balles, il l'a pris à 20 balles. Moi, j'aurais pas pris personnellement. Le jeu PS3, j'y ai trouvé, mais elle m'a dit 10 euros, je mets pas 10 euros dans un jeu PS3. Donc voilà, surtout pour faire des échanges. Donc voilà. J'ai très bon vide-grenier. Je vends et en plus, je trouve des jeux rétro pour pas cher. Et ça, c'est vraiment un pur hasard parce que c'est la personne qui est où ? Juste là-bas. La personne qui vend là-bas. Sur le stand qui a sorti ça. Je suis passé sur son stand, je commençais à regarder avant de déballer. Et là, il me sort ça. Bang ! Voilà. Donc voilà. Allez, à la prochaine. Trouvaille !